De tous les jeux qui existent dans le monde, il y a un jeu auquel vous êtes des milliers à me demander de jouer. Brawl Stars, un jeu mobile. Pour l'instant, je comprends pas la hype autour de ce jeu. Je suis en train de l'installer et on va voir si c'est justifié. Ok, alors visiblement, c'est un jeu dans lequel je peux me déplacer. Je vais aller chercher des espèces de petites gemmes. Je vais pas très vite, je sais pas si c'est normal. Ok, il y a des ennemis. Ok, je peux leur tirer dessus, visiblement. Ok, d'accord, ok. C'est un jeu, j'ai l'impression de combat. Bon, j'ai pas encore l'habitude des contrôles, m'en voulez pas trop. Bien joué. Les barres oranges représentent les munitions. Recharge aussi vite que je peux. Ah, d'accord, je peux juste faire un clic et ça envoie sur le plus proche. Ok, c'est plus pratique en vrai. Vous êtes un brawler né. Yes, j'ai fini le tuto. Le vrai fuse. Est-ce que je vais me faire recaler? Je suis sûr que quelqu'un... Non, personne l'a pris, c'est cool. Jouer un combat d'entraînement pour débloquer le reste du jeu. Bon bah écoutez, let's go hein. Alors, j'ai l'impression que en gros là je suis contre des bots, mais je suppose que une fois que j'aurai débloqué le reste du jeu, je serai contre des vrais joueurs. Et je suppose que le but, récupérer les cubes de pouvoir des caisses et des ennemis pour devenir plus fort. Ok, donc là en gros je pense que je peux tirer sur les caisses un petit bourrinos. Je récupère des cubes de pouvoir. Ok, très bien. Pour l'instant j'en ai deux. On va essayer de voir s'il n'y a pas des petits ennemis que je peux fumer là par hasard. Ok, là il y a un ennemi. On va tirer sec. Et bim, un kill. À moi les petits cubes. Ça va, pour l'instant c'est satisfaisant comme jeu. Enfin, t'as cru que parce que t'étais caché dans les fourrés, ça allait bien se passer mon gars? Oh putain, il fait mal en vrai. Il fait mal le cousin là. Allez, bim. Prends mon ulti dans la tronche. Il fait mal hein. Ok, c'est bon, je l'ai fumé. Je pense avoir gagné. Ok, c'est pas évident comme jeu hein. Bon, après je suis nul à tous les jeux, c'est plutôt logique. Ok, c'est bon, j'ai terminé le tuto. Pour l'instant je comprends pas tout au jeu. Donc là visiblement je suis palier 1, j'ai rien de vraiment incroyable. J'ai des quêtes, survivant solo, double danger, machin. Mais je vais lancer une game. Ok, survivant solo, il n'y aura qu'un survivant. D'accord, c'est un espèce de battle royale. On est 10 joueurs, challenge accepted. Je suis un énorme forceur, mais si je réussis à buter tout le monde, vous devez vous abonner. Ok, alors toi, mon gars. Wow wow wow, putain, je me suis fait allumer. Non, en vrai, je vais perdre. Hein. Allez, allez. Oui, c'est bon, j'en ai éliminé un. Alors, je sais pas si je régène. Ouais, je dois régène, mais ça prend un petit peu de temps, quoi. Ok, c'est bon, on a fait un kill. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud de fou. Je vais récupérer ce qu'il y a dans ce coffre. Let's go. Je pense qu'objectivement, j'ai pas le meilleur brawler. Il doit y avoir des persos qui sont plus stylés, plus forts. Allez, régène, s'il te plaît, régène. Ah, la map se rétrécit au bout d'un certain moment. J'ai l'impression que c'est ça, l'espèce de truc vert, là. Allez, allez. Oui, allez, un deuxième kill. J'ai 6 carrés verts, là. Pour l'instant, je suis vraiment pas mal. Brawler restant, il n'y en a plus que 3. Peut-être que je vais faire un top 1. Est-ce que c'est comme dans Fortnite, ils me mettent avec des boss, avec des bots ou... Parce que là, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Hein. Wow, 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 non, ok. Je devrais me la fermer. Allez, bim! Top 1! Non, c'est pas possible que je fasse top 1 dès le début, là. Vous êtes numéro 1, plus 10! Yes! Vous vous amusez, je vais mettre un petit pouce vert, là. Allez, hop, on continue. Bon, du coup, palier 1, ça me fait passer au palier 2. Je sais pas exactement ce que ça me donne. En vrai, je découvre, les gens. Hein. Je vous invite d'ailleurs à m'insulter dans les commentaires, mais vous devez vous abonner. Vous avez gagné une récompense et trophée appuyé pour récupérer. Ok, qu'est-ce que j'ai récupéré? Ça ressemble un petit peu à un battle pass qui va vouloir me faire payer énormément d'argent. Je vais récupérer tout ça, améliorer les brawlers, collectionner les points de pouvoir et des pièces, dépensez-les pour améliorer vos brawlers. Ok, I guess, il va falloir que j'améliore mon personnage. Ça, c'est la liste de tous les personnages que j'ai à ma disposition. Pour l'instant, j'ai juste celui-là. Déblocage en cours, j'en ai un autre, Nita. Mais je pense que je peux améliorer mon brawler actuel. Voilà, pour 20 pièces, je peux l'améliorer. J'espère qu'il va pas me faire payer, mais non, c'est bon. Il est passé niveau 2. Nickel. Bon, bah, c'est parti, on va faire une petite game. Hein, là, je m'amuse bien. J'espère qu'il y a juste plusieurs maps. Survivant solo, il n'y aura qu'un survivant. Parfait, ça me va très bien. Ok, c'est Tipar. Waouh, mais lui, il fait trop mal. En fait, ça sert à rien d'ouvrir les caisses parce que vaut mieux attendre que les autres les ouvrent pour toi. C'est bon, j'ai fait un autre kill. Et cheater mon personnage ou comment ça se passe? Non mais c'est pas possible, ils me mettent des boosts au début pour que je sois satisfait en fait. C'est comme dans mon premier épisode sur Fortnite là où j'ai réussi à faire quasiment top 1. Pas possible, on est plus que 3 là déjà, mais ou alors je suis un monstre en fait. J'ai peut-être trouvé ma vocation, mais pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps sur Minecraft? Et c'est une victoire encore une fois, mais c'est trop facile. Vous êtes numéro 1, plus 10. Ou alors c'est qu'il y a que des enfants sur ce jeu qui sont complètement nazes, mais généralement les enfants ils me fument. En témoigne à quel point je me fais défoncer sur Fortnite habituellement. Alors j'ai récupéré plus 5 maîtrises mortelles, est-ce que c'est suffisant pour essayer d'upper mon brawler ou pas? Ouais, je pense que c'est suffisant. Hein. Bon là je suis en train d'utiliser tous mes points pour essayer de l'améliorer, mais il y a les espèces de pastilles violettes et il y a les espèces de pastilles jaunes. Série de cadeaux journaliers, nouveau skin. Ok, let's go. Je suppose que ça c'est juste un skin, mais ça change pas mon brawler. Et je peux récupérer des bonus crédits, obtenir des crédits pour débloquer les brawlers. C'est parti, nouveau Brawl Ball. Ah, c'est un autre jeu, c'est un autre type de jeu dans le jeu. Et j'ai débloqué Nita, qui est un nouveau brawler. Débloquer un nouveau brawler rare. El Costo. Je comprends rien à ce qui se passe. C'est les jeux mobiles, il y a des trucs dans tous les sens, tu sais, pour qu'ils te donnent envie de jouer et après ça devient. Ça devient de plus en plus... J'hésite à prendre le nouveau brawler. Vous savez quoi, je vais tester l'autre. Mais du coup, je pense que je vais être moins puissant techniquement. Puisque je l'ai pas amélioré le deuxième. Ah, là, c'est un autre type de mode de jeu. Là, c'est un espèce de foot. Ok, c'est parti. Wesh, wesh. Waouh, 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 je me suis fait déboîter. Bon, après, je reviens dans 5 secondes, ça va, c'est pas un battle royale. Fort heureusement. Récupérer le ballon. Je vais récupérer le ballon, t'inquiète. Ah, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes attaques, par contre, pour le coup. Yes, on a marqué. Pas grâce à moi. Ok, cette fois-ci, je vais essayer de récupérer le ballon. Ok, c'est bon, on a buté tout le monde. Je pense qu'on va marquer. Je vais récupérer le ballon.
Ouais, j'ai pris cher, faut que je me barre. Non, putain, ok, il a bien géré. Bon, faut absolument que j'arrive à mettre un but quand même, sinon je suis vraiment un énorme noob. Allez, hop, ok, il est mort. Mieux 4 t'as marqué, mais il est trop chaud aussi, Mopi 4 là. Bon bah c'est une victoire, mesdames et messieurs. Le vrai Fuse, je suis mort 2 fois, j'ai fait 3 éliminations, c'est plutôt pas mal. Mopi 4, il a fait 5 éliminations, il est mort 2 fois. Ok, non, je suis même pas le plus nul en vrai. Je crois que j'ai peut-être trouvé ma vocation. Je découvre un petit peu, hein. J'ai des pièces, je récupère des pièces quand je fais le prochain objectif. Ici, il y a bien évidemment la boutique. Une fois que t'as fait quelques games, ils veulent te faire sortir la carte bleue, bien évidemment, c'est un jeu mobile après tout. Ah mais attendez, j'ai un objet gratuit dans le magasin, les 10 jackpots. Évidemment, allez, hop, histoire d'avoir un petit peu de dopamine, comme ça je voudrais racheter des trucs. Ah mais en fait, dans le magasin, t'as systématiquement des objets gratuits là. Par exemple, j'ai un brawler gratuit. Est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Ou est-ce que c'est juste au début pour qu'il me fasse acheter? La vérité, c'est que j'ai pas tellement l'habitude des jeux mobiles. Donc je suis peut-être la bonne cible pour me faire arnaquer. Vous avez reçu des crédits pour El Costo. El Costo, c'était le catcheur. Bienvenue dans la route star. Ici, vous débloquez des brawlers en obtenant des crédits. Est-ce que je. Bah non, de toute façon, j'ai pas de crédit. Je suppose que si jamais je veux le débloquer, il va falloir que je paye. Ah, j'ai débloqué un nouvel événement. Survivant, double danger. Ça doit être un autre mode de jeu. Je vais faire ça en solo, on va voir à quoi ça ressemble. Je sais pas exactement quel mode de jeu c'est. Ah bah si, c'est le battle. En vrai, je préfère le battle royale. Ok, c'est bon, j'ai récupéré un carré. Ok, un autre carré. Pour l'instant, j'ai vu personne, hein, donc. Allez, une petite élimination des familles. Bon, il y a l'autre, lui, il va me fumer. Non, mais laisse-moi tranquille. Attends, je vais attendre de régénérer et après, je vais le déglinguer là. Et allez, bim! C'est moi qui ai fait spawner le nounours là? Il s'est cheaté? Mon brawler il est cheaté de fou, j'ai encore gagné! Si j'ai bien compris, dans Brawl Stars, il y a aussi tout un délire de nombre de matchs gagnés à la suite. C'est là que je débloque la petite flamme, série de victoires. Là, c'est que j'ai fait 2 victoires à la suite. Bon, à partir de là, je me suis fixé un challenge: atteindre les 20 victoires. Je sais pas du tout si je peux y arriver, mais du coup, je vais essayer de faire plusieurs games. Sachant que là, j'ai débloqué un palier de Brawl Stars. Je sais pas, je débloque des paliers. J'ai l'impression qu'il y a des paliers dans tous les sens. Point de pouvoir à attribuer. Ok, très bien. Et j'ai débloqué aussi une petite étoile. Chance d'amélioration. Mythique. Ok, c'est bien ou c'est pas bien? Nouveau brawler, Bonnie tir d'élite. J'ai l'impression que c'est un brawler épique, mais je pense qu'ils m'ont donné ça en mode épique pour vraiment que j'ai envie de continuer à débloquer des trucs. Je vais tester Bonnie, apparemment il est épique, il est vraiment stylé, et je peux aussi l'améliorer. Je vais déjà le pré-améliorer, comme ça je pourrais vraiment fumer les gens. Même si celui d'avant, je l'aimais bien en fait. Hein. Après, c'est peut-être pas une très bonne idée de tester des nouveaux brawlers, sachant que mon objectif c'est quand même de faire 20 victoires à la suite. Ça se fait pas tout seul en fait. Hein. Et alors, voyons voir comment ça marche. Ah, je suis pas très rapide, je sais pas s'il y a moyen d'améliorer la vitesse. Ah oui, d'accord, il fait vraiment très très mal. Frérot. Allez, un kill. Oh. Eux aussi, ils me font mal, les gens. S'il te plaît, régène. Le mec, il voulait me tirer dessus, là. J'ai réussi à régène, quand même. Allez, un autre kill. Bon, là, c'était vraiment du ramasse-miette. Je suis KO. Bon, j'ai mon espèce d'ulti, là. Mon canon a explosé, j'ai un peu le seum. Je vais chercher les petits carrés verts à la place. La technique du ramasse-miette, elle est assez efficace, mine de rien. Non, là je vais me faire ramasse-miette, là. Ça pue. Non, j'ai... Oh, j'ai réussi à gagner. En vrai, j'étais persuadé que j'allais perdre. Hein. Allez, let's go. 4 victoires, mesdames et messieurs. En plus, j'ai gagné des maîtrises mortelles. Ok. Ah, je pense que je vais débloquer un nouveau brawler épique. Non, c'est pas un brawler que j'ai récupéré, c'est autre chose. Bon, j'ai repris le canon parce qu'il est sympatoche. Oh, il fait mal en vrai. Non, il fait vraiment très très mal en début de game. Donc, je régène un petit peu. En fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, je consomme tous mes boulets de canon et je redeviens à pied. Je reviens à pied. Et quand je suis à pied, en vrai, je suis un peu naze. Donc, je fasse gaffe. Je vais récupérer ce qu'il y a dans les boîtes. On sait jamais, ça peut être utile. Oh, là, c'est peut-être la fin. Oh, j'ai chaud. Non, c'est bon, j'ai réussi à le buter. Ok. Je sais pas comment c'est. C'est par miracle, à chaque fois, j'arrive à survivre. J'ai encore gagné, mais wesh, j'ai rien fait, c'est même pas moi qui ai fait le kill final. C'est de la douille, les gens sont trop nuls. En plus, je gagne des petits trophées. Là, j'ai récupéré des petits points là pour débloquer Jesse. Jesse Pinkman. Putain, je suis un énorme bouffon. C'est en catastrophe. Je suis rendu là tous les jeux, c'est ça qui est chaud. Là, j'ai peut-être des petites pièces pour améliorer mes brawlers en fait. Vas-y, je vais améliorer Bonnie jusqu'au niveau 3. Mais j'ai plein de points en fait, je peux l'améliorer vraiment de fou en fait. Du coup, vaut mieux en maxer un seul, non, de brawler pour vraiment rouler sur tout le monde. Ou alors peut-être que si j'ai un brawler de niveau 5, je serai que contre d'autres brawlers de niveau 5. Possible aussi ça. Ils donnent pas les niveaux dans les games en fait. Bon, on va voir. En tout cas, ça augmente pas ma vitesse de déplacement. Hein. J'ai un petit peu le seum. Ok, un petit carré, c'est pour moi. Wow, c'est quoi ce truc? Wesh. Il a fait trop mal là. Je suis dans la sauce. Je suis pas bien. Faut que je me barre, faut que je régène. Je vais laisser les deux se combattre. Je vais régène tranquillou. Non. Oh putain, je suis pas bien. Non, s'il te plaît. En fait, il faudrait peut-être que je comprenne un petit peu les personnages, parce que là, je joue un petit peu au pif. Mais genre, je comprends pas pourquoi est-ce que des fois je suis un canon, pas des fois. Mais en tout cas, c'est encore une victoire. Mais oui, on va les faire, les 20 victoires. Hein. Allez, j'ai envie de changer un petit peu de gameplay. On va choisir El Costco. Je vais d'abord l'améliorer, histoire qu'il soit pas nul dès le début. Et je vais jouer. Costco, il a l'air d'être éclatax, parce que à chaque fois que j'en vois, ils se font buter, en fait. Donc, j'ai peut-être fait une connerie, là. Ah, il est nul.
Bon, j'ai quand même réussi à buter un mec, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse masse de dégâts, en fait, c'est ça qui me fait peur. Ça, c'est quoi son attaque de base? Ah, d'accord, il met des coups de poing, mais il y a quand même un peu de portée. Je vais récupérer les petits carrés. Turbo Punch. Je pense qu'il est assez bon au corps à corps, mais dès qu'on est un peu loin, il est naze. Allez. Oui, c'est bon, j'ai réussi à le buter. Plus que 3. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez là, j'ai pas de portée, donc je me fais fumer. Non, c'est bon, j'ai quand même réussi à le buter. En plus, j'ai 11 carrés verts, là, c'est pas mal. Lui, il en a que 3 en face. Peut-être que ça me donne plus de vie ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et voilà, c'est une victoire. Non, en fait, je l'aime bien, le petit Kotsko. Moi, je le comprends, c'est un truc de bourrin. Je suis un bourrin, je réfléchis pas beaucoup. En vrai, les 20 flammes sont possibles, hein. J'ai dit ça au pif comme ça pour rigoler, mais on n'est pas si loin. Le truc, c'est que là, plus ça avance, plus je stresse et plus j'ai pas envie de mourir, en fait. Ah, j'aime pas celui-là qui a du gaz. Fait peur. Allez, un kill. Le pire, c'est que j'arrive à buter des gens sans faire le ramasse-miettes, hein. C'est ça qui m'en fier. Le mec est fier pour un jeu mobile. Triste, hein, mais c'est vrai. Ok, j'ai buté. Que deux. Ah, bah tiens, il y a un autre Kotsko contre moi là. J'ai juste plus de vie que lui. J'ai l'impression que les carrés verts, en fait, ça me donne des boosts dans le combat, en fait. Ah ouais, non, c'est de fou, en fait. C'est cheaté, les carrés verts. Franchement, je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien ce petit Kotsko. Je vais l'améliorer. Roller, Kotsko. Allez, c'est parti. On t'améliore un petit peu. Bon, là, j'ai plus de thunes. Mais c'est worth it, croyez-moi. Après, c'est moi où les games sont un petit peu répétitifs quand même, non? Regardez, là, j'ai 8400 points de vie. Et dès que je récupère un truc vert, j'en ai 8800. Ouais, c'est ça, ça donne quand même du boost. Donc c'est pas mal, ça donne de la vie supplémentaire. C'est un concept intéressant. Merci pour le carré. Merci pour le carré. Oh là là, mais j'ai roulé sur tout le monde là, mais c'est une folie. Je sais pas la quantité de dégâts que je fais. On a passé la barre des 10 victoires, mesdames et messieurs. Plus que 10, et mon challenge sera validé. En plus là, le palier, j'ai une razzia de gemmes, ce qui me permet de débloquer un nouvel événement. Razzia de gemmes, tunnel de mine. Alors c'est risqué encore une fois, je sais pas si ça compte dans mon streak de victoire, mais j'ai envie de tester ce nouveau mode de jeu. Récupérer 10 gemmes pour gagner. Alors visiblement on est 3 vs 3, et le but c'est d'avoir 10 gemmes. Ok, challenge accepted. Ok, ce qui est cool c'est que en fait finalement je disais que ça se ressemblait, mais c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs modes de jeu, donc c'est correct. Allez. Allez, allez, meurs. Oui. Ok, je vais prendre cher. On a combien de gemmes là? On en a 3, c'est bon, on est plutôt bien. Ah, faut les ramener à la base peut-être. Ok, on en a 2, les autres en ont 3. Je sais pas comment on ramène les gemmes en fait. J'ai l'impression de faire nimp. Ok, je suis mort. Attends, pourquoi on a perdu nos gemmes là? Ah, il faut les avoir sur nous et quand on... D'accord, ok, je comprends en fait, je comprends le del. Ok, à moi les gemmes. J'ai 5 gemmes là sur moi. Protégez vos gemmes. Ok, faut protéger nos gemmes pendant 13 secondes, ça va le faire. Ils vont venir, ils vont tout donner les frérots, mais ne vous inquiétez pas, je le bute. Non! On a perdu une gemme, j'ai trop le seum. Faut pas qu'on meure. Allez, toi t'es mort, c'est bon. Ah, ce mode de jeu est vraiment plus intense, je sais pas, je le trouve plus challengeant, plus difficile. Après, le truc, c'est qu'il dépend pas de moi, donc je sais pas si ça compte dans mes séries de victoires, parce que j'ai peur qu'on perde à cause de mon équipe, parce que moi, je suis excellent, mais tu vois, peut-être que mon équipe, elle est nulle. Ok, continuez. Est-ce que ça me rajoute une petite flamme? Ouais, série de victoire. Est-ce que j'ai débloqué un nouveau truc? J'ai débloqué... Ah d'accord, je peux débloquer un nouveau brawler. Mais je vais avoir trop de brawlers en fait. Ah non, c'est des pièces que j'ai débloquées, ok. Bon, histoire de mettre vraiment toutes les chances de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter encore des améliorations pour El Kotsko. Je suis niveau 6. Là les gars, si je fume pas tout le monde en étant niveau 6, c'est que c'est pas normal. Vous avez remarqué que mon iPhone, il est un petit peu pété. C'est sur le tournage de la vidéo chat qu'on a sorti ce week-end que je l'ai pété. Bah, l'anecdote, c'est qu'il a pas cassé son téléphone en le faisant tomber, mais en refermant le dossier de son siège dans le train. C'est... Oui, c'est fort. J'ai envie de tester d'autres brawlers, mais je commence trop à maîtriser mon petit Kotsko, là, que j'ai grave amélioré. Donc, je suis un peu coincé, là. Sachant qu'il me reste plus que 7 victoires à avoir et je fais mes 20 victoires. En fait, le centre, c'est très dangereux. En même temps, il y a plein de caisses. Voilà, j'ai pris très très cher. Ça pue. Non, je suis mort, vaincu. C'est la première fois que je vois cet écran. J'ai vraiment le seum. Si j'appuie sur le bouton quitter, je pense que malheureusement, je vais perdre mes petites flammes. Série de victoire. Attendez, non, j'ai toujours les flammes? J'ai toujours les 13 flammes, comment c'est possible? Gagner plus de trophées avec une série de victoire. Ah, mais je pense que c'est ma série de victoire maximale. Genre là, objectivement, je pense que si je refais une game, est-ce que j'ai toujours mes 13 victoires? Ou peut-être j'étais à 14 victoires et je suis redescendu à 13. Attendez, je fais une dernière game pour tester. J'ai été trop gourmand après. Pour le coup, je l'assume. Je régène. On est plus que 2. Et allez, c'est une victoire plutôt facile. Est-ce que je passe de 13 à 14 victoires ou est-ce que je reviens à 0 sur ma série de victoires? 14? What the fuck? Bon, je vais refaire une razzia de gemmes du coup, parce que au final, si jamais je perds, ça me reset pas ma série de victoires, donc je m'en fous, théoriquement, non? Ce mode de jeu est vraiment fun, là, le mode de jeu où il faut récupérer les gemmes, je trouve qu'il y a de la tension et tout, tout peut être inversé. Ah d'accord, les gemmes sont générées au centre, c'est un espèce de... comme dans le Bed Wars en fait. Je croyais que c'était généré de façon aléatoire sur la map, mais non.
Ma technique, c'est de bourriner. J'en ai buté deux, là. C'est dommage qu'il n'y ait pas le nombre de kills qui soit affiché. Moi, je serais curieux, en fait. Moi, je veux perso, je jouerais à fond les kills. Hein. J'aimerais bien juste débloquer des nouveaux modes de jeu, parce que ils sont tous assez fun, relativement fun, en tout cas. T'en roules sur les ennemis, hein. C'est assez chaud, là. Pas possible, c'est des bots. Oula, 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 j'ai mal. Régène, s'il te plaît. J'ai 3 gemmes, mon collègue en a 5. Le dernier collègue en a 0 parce qu'il est nul. Oh non, non, il va crever. Mon pote va crever. Non, faut que je le sauve. Ok, c'est bon, c'est moi qui ai toutes les gemmes de l'équipe. Compte à rebours commence. Match terminé. 16 victoires. Alors là, je peux récupérer déjà des petits stickers pour mon prochain brawler. Yes, j'ai débloqué Jesse. Ah bah tiens, je peux avoir un brawler rare en bonus, Poco, vas-y. Ah non, c'est pas en bonus, c'est le prochain sur lesquels... Oui, non, c'est vrai que... Oui, en fait, j'ai des jeux... Je collectionne les espèces de petits trucs bleus pour débloquer des nouveaux trucs. Événements d'équipe. Ah bah tiens, j'ai débloqué deux nouveaux événements. Zone réservée et hors-jeu. Vas-y. Zone réservée. Je suppose que ça va être une zone qu'il va falloir capturer et garder le plus longtemps possible. Prenez le contrôle de toutes les zones réservées. Ok, c'est tout à fait ça. J'ai bien compris. Bon, c'est vraiment dangereux ce que je fais. Parce que, en fait, je comprends vraiment pas comment on fait pour perdre des flammes. Mais bon, on va voir. Hein. Parce que là, il n'y a pas 3 rounds. Hein. Là, c'est 1 round. Ok, j'ai pris cher. Mais on arrive à garder la zone quand même. Oh oh oh, c'est chaud. Ok, c'est bon, une élimination. Oh, mon collègue, il aide pas tellement là. Ah si, non, il met des petits pièges. Non, ça va, ça aide un petit peu quand même. Ok. On est encore très bien parti. En fait, non, mon collègue, il est trop chaud parce qu'en fait, il se met pas dans la zone, certes. Mais vu qu'il est à distance, il fume tous les ennemis et il peut pas se faire toucher. Ça, c'est vraiment cheaté. Ok. Oh, j'ai fait crever par contre. Allez, on a 90% d'avoir la zone. 93, 94. Bon là, je pense que c'est une victoire malheureusement pour les autres. Oui! Tous les modes de jeu sont fun. Ça, c'est vraiment cool. Je pense zone réservée, c'est peut-être celui que j'ai préf. Ok, je suis mort. Ah, les ennemis, là, ils prennent l'avantage, là. Je sais pas si vous voyez, ils ont à 14%, nous, on a 5. C'est un peu dangereux, là. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On regagne la zone, ça remonte, ça remonte. Plus beaucoup de vie, faut que je me cache. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des brawlers qui heal les autres. Ce qui m'étonnerait pas, hein. C'est présent dans quand même beaucoup de jeux. Mais bon, on a repris l'avantage. Faut que je gagne de la vie, je suis pas bien, sa mère. Ah, ils sont repassés devant. Ah putain, ça va peut-être être une défaite là. En fait, le problème, c'est que quand... dès qu'il y a plusieurs personnes dans mon équipe, forcément, il y a toujours un risque de se faire allumer quoi. Ok, j'ai quand même. Non, il y a eu un kill, plus du cul. Hein. Non, c'est bon, là on est les trois dans la zone. Ça va le faire. Ah putain, ils font mal. Ils font mal. Non, ils ont gagné. Ah putain, est-ce que j'ai perdu ma série de victoires? Non, j'ai plus mes flammes. Ce mode de jeu est littéralement éclaté. La vérité, c'est que j'ai vraiment kiffé en fait finalement. Je m'attendais à lancer le jeu, à juger énormément. Un petit peu comme ce que j'ai fait avec Fortnite en fait. Mais je me rends compte que finalement, les jeux sur lesquels vous êtes des milliers à me demander de jouer, bah en fait, il y a peut-être une raison et ils sont pas si nuls que ça. Dites-moi si vous voulez un autre concept sur ce jeu. Je pense que je ferai pas des vidéos comme ça où juste je joue. En fait, j'aimerais bien avoir genre des vrais concepts. Mais en tout cas, je me suis vraiment éclaté. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le brawler. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.